Salut à tous et bienvenue sur Europa Universalis 4 avec Damso. Alors, attendez que je me rappelle. Là, c'est la France qui a déclaré une guerre. Et sans déconner, j'ai que 1%. C'est nul. Et ça, c'est moi qui l'ai déclaré. Et pour l'instant, faut que mes copains s'amusent un peu. Ensuite, faut que je comprenne pourquoi est-ce que j'ai deux bateaux qui foutent rien ici. Ça, c'est les transporteurs. Ok, donc j'avais découpé cette flotte, c'est vrai. La France, on est pas mal. La Pologne, on va essayer de redevenir pote. Oui, surtout que je peux bien le faire, il n'y a pas de souci. Je les ai un peu abandonnés parce qu'ils étaient partis se faire empaler. Je sais pas à quoi ils pensaient. Eux, va falloir attendre qu'ils perdent leur alliance avec la France. Ça qui est dommage. Alors, est-ce que ici j'avais réglé le problème des rebelles? Non. Donc tu vas propager à la deuxième case une deuxième fois. Et toi tu vas aller là parce qu'il faut que je reprenne tous les terrains là pour vite les transformer. Je voulais vérifier est-ce que c'était vrai que j'avais 80 000 hommes. Ah putain, c'est vrai, j'ai 80 000 hommes. Et bah, vu que j'ai 80 000 hommes, va falloir que je m'en serve un jour. Brunei, ils sont encore en guerre? Et j'ai pas de casus belli contre eux? Ouais. J'en ai 2000 là, j'en ai 7000 là. C'est au niveau des navires qu'il va m'en falloir un paquet là. Parce que c'est le moment de redévelopper la flotte de transport. Putain, il y a des navires pendant 40 ans ici. Là. Ah là, il n'y a pas de navire de lancer. Voilà, 20 navires de plus ici. Ensuite, les guerres, c'est pas moi qui les gère personnellement, donc j'en ai rien à secouer. En Inde, il se passe bien. Ma flotte, elle est là, elle est en train de se déplacer. Elle va arriver ici. Je sais pas pourquoi elle va arriver là, mais elle va arriver là. Et il faut juste que je me lance dans la colonie rapide ici pour pouvoir concurrencer l'Espagne ici. La Castille, pardon. Ok, plus d'argent. On voit qu'à la Manche, ma collecte n'est pas très très suffisante. Là, on va annuler, ça sert à rien. Mes colons, j'en ai un qui est en route. Ok, une défaite contre l'Écosse encore. Et avec un en route, ça m'en fera 6. Si ça m'en fait 6, je peux m'en permettre une de plus. On va aller à Ogala. Ogala, c'est où? Non, pas Ogala tout de suite parce que c'est pas assuré. Je vais rappeler celui-là. Et je vais envoyer ici. Là, de toute façon, ils sont combien? Ouais, ils sont 500, donc toi, je te coupe en deux. Comme ça, tout de suite, on prend une bonne avance. Enfin, pas une avance, mais au moins on avance. J'irais même racheter une armée terrestre plus grande. Parce qu'il me semble que là, elle est en train de prendre très cher l'Autriche. Donc, on va recrutez-moi quelques troupes et des canons. Voilà, bon, mon armée, je l'aurai pas d'ici, je l'aurai pas avant 2 ans. Putain, je peux monter jusqu'à 120 000 hommes. Rejeté. Alors, au niveau de mes sciences militaires, je suis méga en avance. Et le reste, je suis aussi en avance. Donc on va prendre juste celui-là. De toute façon, ça fait 8 points. Là, ça en fait 5-7. Est-ce que j'ai une doctrine? Non, j'ai pas de nouvelle doctrine pour le moment. Je peux peut-être faire quelques cultures. Voilà, on va faire quelques cultures. Ça devrait les calmer un tout petit peu temporairement. Là, j'ai beaucoup de navires.
Cela en moins. Celui-là en moins. C'est quoi, toi? Une galiote? Mais j'en veux pas de galiote! C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y avait une galiote dans mon armée? Alors où est-ce qu'il y a des rebelles? Sunnistes et Bornéo. Oui, bon, eux ils vont me faire chier, c'est sûr. On va surveiller ici parce que... Ah, les rebelles sont passés là. Eh, c'est les miens. C'est mes rebelles qui font chier leur monde. Ah, cette faute-là, faut que je la repère. Donc ils sont 21. C'est eux. Ce transport, pas de soucis. T'es recruté et tu viens ici. Ah. En administratif. Ouais, je peux me permettre un point ici. 275, waouh, méga cher quoi. Et ça, c'est parce que j'ai une flotte de commerce qui est au repos à tous les coups. Ça, tant que j'ai des flottes, si j'ai des flottes au repos, ça va pas aller. Faut que je me prenne lui. Donc là, il va falloir que... Ok, attendez. Rappeler. Ok, ok. Encore une défaite pour eux. Donc je prends celui-là, on va monter le prestige annuel. Et en Inde, on en est où? Ok, donc lui, c'est réglé. On lance la conversion. C'est ces 33 000 hommes, ils vont forcément finir par revenir chez nous. Et dès qu'ils reviennent chez nous, bim, on leur saute dessus. Là, je crois qu'on a totalement... Attends, l'entretien des flottes. Oh, ça y est, ils ont pris cette chance-là. Golfe de Gascogne. Le golfe de Gascogne, c'était ici. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours la chance de perdre des navires, je sais pas pourquoi. Franchement, là, comment ils ont fait pour être perdus, quoi? Il y avait rien sur leur chemin, il y avait rien. Alors, ici, c'est normalement... Bah, en fait, je vais enlever cela. Ah, même ça. On regroupe tout. Vous allez bientôt entrer en activité, les mecs. La Scandinavie, c'est fait. La France, c'est fait. Naples, c'est en cours. Attends, moi je suis en guerre, ils veulent pas, mais eux, ils en ont rien à foutre de leur guerre, quoi. L'Ottoman, allez l'Ottoman, franchement, allez, acceptez les mecs, acceptez. Je suis sûr qu'on n'est pas loin de trouver un accord. Le chef, il me le faudrait. Ouais, il est pas génial. J'aimerais qu'il meure très vite pour que je puisse enfin enlever mes troupes sans problème. Attendez que je regarde un truc. Non, c'était... J'ai mon diplomate ou pas disponible là? Non, j'en ai pas. Faut que je regarde c'est quoi les casus belli commerciales. Si dedans il n'y a pas des provinces gratuites quasiment. Bon, au pire, l'impérialisme n'aurait pas tardé à arriver. Ça, on s'en fout. Rappelez. Ok. Un de grouper ici. Oui, il y a largement de quoi grouper mon armée. 47 000 hommes. J'avoue qu'on n'y pense pas, mais quand je vois l'armée que j'ai stockée ici, c'est sûr que je stocke beaucoup d'armées en fait. Mes dettes, est-ce que c'est réglé? Oui, toutes les dettes sont payées, tous les navires sont en cours de construction. Oh! J'ai fait une boulette.
C'était pas des navires comme il fallait. Putain, j'en ai marre que mes navires se regroupent. Sincèrement, qu'est-ce qu'ils viennent tous se regrouper ici? Non, ça, en plus, mes flottes, elles sont où? Bon, on est reparti pour 5. Elles sont où mes flottes? Ça, c'est la construction des navires. Ça, c'est les armées. Et ça, c'est les flottes. Donc, toi, t'es au... la Manche. Ça, c'est les Caraïbes. Ça, c'est Lübeck. Ça, c'est le Rio Grande. Et ça, c'est la baie de Chesapeake. Donc, déjà, vous, je vais vous couper en deux. Toi, tu vas faire le golfe du Saint-Laurent. Et toi, tu vas faire la baie de Chesapeake. Ça, c'est déjà. Attendez. Lübeck, baie de Chesapeake, Saint-Laurent. 49, pardon. Vous, c'est le Rio Grande. Bon, je suis sûr qu'il y a une flotte qui. Du coup, vous êtes qui, vous? C'est des navires de transport. Donc, en fait, vous, j'ai rien dit, vous vous êtes bien placé. Ah, on s'en sort plus, il y a trop d'organisation à faire. Qu'est-ce qui vous arrive, les mecs? Je sens qu'elle va me foutre dans la merde, Céline, là. Ouh, Céline, t'as intérêt à te calmer, là, je te préviens. Ne me fous pas dans la merde. Et en fait, toute la Russie. Ouais, ils ont fini la Russie. C'est dommage. J'aurais bien eu pour rêve de réussir à faire la Russie, mais c'était un peu impossible à faire. J'ai des navires qui sont partout. En Asie, on est pas mal. Il y a encore ce gros bloc-là à prendre. On va faire un peu de tri. Donc, vous trois. En fait, ici. Vous servez à quoi ici? Est-ce que mes colonies sont encore au cours au moins ici? Fini, fini, fini. En cours, fini. Venez ici et vous allez me les récupérer parce qu'en fait ils servent plus à rien les mecs là. Toutes les colonies sont finies, tu m'étonnes qu'ils servent à rien. Bande de glandus quoi. Alors, le casus belli commercial. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Et 100, 200% de prestige, 100% de puissance diplomatique. Défaite admise, 50%. Ouais. Bon, en fait, c'est pas du tout ce que je voulais, je pense. Je peux plus me trouver de potes, sincèrement. Milan, ils veulent pas être mes copains de toute manière. Donc, au moins, essayons de pas être. Tout de suite. On ne perd pas les bonnes relations avec la France. Je sais même plus où sont mes troupes ici. Oh non, on s'en fout. Ah, ils font chier. Ok. Ok, et j'ai toujours pas de casus belli contre eux. C'est bizarre ça, franchement. Ah non, même pire que tout, ils améliorent les relations avec eux. Ils sont tarés. J'ai pas un petit casus belli par les gens. Non plus, pas de casus belli contre eux. Ok. Les Sioux. Ça peut le faire contre les Sioux par contre. Ok. Les révoltes, est-ce qu'ils vont tout 90 à Bornéo. Oh les relous à Bornéo. 47 000. Bon, on va commencer à regrouper les navires de transport.
Je sais pas où vous allez, vous, mais 23 ici. Est-ce que je vous ai enfin récupéré? Tac. Groupé. Ça fait un total de 12 000 hommes, c'est pas énorme. Vous me les mettez ici. Et une fois que vous êtes arrivé là, on vous déplacera. Alors ici, est-ce que vous avez fait des navires? C'est ça, c'est un navire de transport. Donc tac, regroupé. Vous, vous partez... Caraïbes. Tiens, on n'a pas une assez grosse flotte aux Caraïbes. Frégate, toi aussi. Toi, tu vas partir à... un golfe du Saint-Laurent. Là-haut. J'ai forcément des flottes qui servent à rien. Non, ça, c'est une flotte de commerce. De vaisseaux lourds. Rendez-vous en frise. Alors, en fait... si j'enlève cela, je peux les regrouper. Maintenant, l'autre bloc, je le mets en activité, je regroupe. Et vous partez bientôt. On va reprendre de l'activité. J'ai dit si est-ce que toutes mes flottes se fassent. Donc ça va forcément péter à Bornéo. Je vais regarder, ça se trouve, je peux peut-être m'arranger pour les diminuer. Ça coûte combien? 73? Allez bim, un petit coup. Ça va peut-être les calmer. Est-ce que j'ai repayé les deux provinces ici? Ça c'est fait. Maintenant, bah l'attaque. Est-ce qu'il y a ça par les deux provinces? Gingja, Tanjore, bon bah on y va, à l'attaque. Bon, on est 47, ils sont 33. Sauf qu'on a le terrain contre nous. Et le pire, c'est que bah, on a le terrain contre nous, mais méchamment, quoi. On s'est fait humilier, quoi. Ok. France, France-Canada. France-Canada. Angleterre. Ouais, ils m'ont rien donné de moi, en plus. Bande de... ils ont rien donné pour moi, bande de sec, bande d'escrocs. Pourquoi ils m'aiment pas, eux, au fait? Ou un casus belli. La vassalisation, moins 1. Moi je dis que ça se tente. En fait c'est une province? Ouais c'est une seule province, ça qui est dommage. Tout le monde ici, la flotte, est-ce qu'elle est bientôt opérationnelle? Cette flotte là je vais l'envoyer en mission. En fait, non. Vous, dans les navires. Et vous allez retourner ici. Parce qu'apparemment, 40 000 contre 23, ça n'a pas suffi. Donc 40, ça va forcément suffire. C'est ce que j'espère, en tout cas. Est-ce que j'ai fait un truc... est-ce que dans cette province, j'ai un truc particulier qui est en cours? Non. Ah par contre la province est déjà tombée. Ah oui, mais en plus je me suis carrément fait déboîter même. Ils ont été vassals des Incas, ok. Naples, va falloir renégocier avec eux. Je peux les vassaliser, ils sont occidentales. Une offre de paix des Micmacs. Est-ce qu'on occupe les Micmacs? Ben on les occupe pas encore à 30%, donc on va attendre. Alors est-ce qu'ici je réussis enfin? Ça y est, j'ai toutes mes troupes. En avant, on est reparti. Je sais que c'est un général pourri, mais bon. Alors, en stabilité, c'était cool, je vous remercie. Putain, quoi, des rebelles qui nous mettent la pression, quoi.
Les sunnites aussi, ils sont où les sunnites? Ils ont 2,7%, j'hallucine. Pourtant, l'institut de guerre, on n'a rien. On a quand même 60%, oui. La flotte, est-ce qu'elle est d'attaque ici? Elle est prête. Conclusion, tu vas aller chercher... Tu vas rejoindre le port ici. Est-ce que les Micmacs, ils sont occupés? Ils sont occupés. Et ben voilà, maintenant on va signer la paix. Donc j'ai peur de vous dire que vous n'allez pas aimer par contre votre paix. Je vous réserve pas une paix gentille. Et merde, ça a pété. Une conversion gratuite, c'est fait. Putain, encore 20 000. Et en plus, il y aura même les sunnites à côté, quoi. Toi, c'est des navires de commerce. Vous, vous allez partir sur Manche. Attends, j'ai bien une flotte sur les Caraïbes. Manche, Lübeck, Caraïbes. C'est même eux qui sont les plus nombreux, quoi. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois qu'ils y vont et qu'ils viennent, ils sont à moitié cassés. Ensuite, d'ailleurs, on a un navire de transport. Tu vas te repointer ici. Toi, tu vas commencer les transferts. Tu vas fusionner ça, ça sert à... Trêve. Ah merde, ça y est. Moi qui pensais que j'aurais eu le temps de ramener les troupes. Ok, les effectifs, c'est fait. Tac, tac. Donc, tu vas commencer à me débarquer ce premier groupe. Pas ici. Là. Est-ce que je faisais des trucs ici? Conversion religieuse. Et ici, on faisait rien du tout. Tant que c'était qu'une conversion religieuse qui repart de zéro, on s'en remettra. Donc comme je disais, il fallait que je regarde ça là-haut. C'est quoi ça? Ouais. En fait, ça, on s'en fout. Vassalisation, on les aura un jour. J'ai pas envie de perdre instabilité. Tac, ouais. Et du coup, on va signer la paix avec les Micmacs. Donc les Micmacs, on vous mange. Vendu. Ils ont été qui? C'est Céline... Ils sont chez Céline Dion ou ils sont chez... C'est Céline Dion? Aïe. Ils sont pas au bon endroit. Céline Dion, elle a du mal à défendre. Faudrait que j'ai une armée chez elle. Putain, l'Autriche... Ah non, c'est que sa troisième. Bon, à 40%. On a 48 pour négocier, bah c'est déjà mieux. Illinois, on prend déjà. Mingoka, on prend. Morpak, on prend. Ramstack, on prend. Celle-là, je prends aussi. Ça, je prends. On a encore un peu de points. Et bon, on va négocier, laissez-nous faire. Alors celui que je voulais faire grossir, je veux vraiment que elle grossisse. Franchement, avec ces provinces-là, si elle fait rien, on n'y peut rien pour elle. Hein. On est combien là? On est à moins 3. Meiten, c'est laquelle? C'est ça. Ouais. Okawa. Kakisho. Donc il en veut encore une seule. Et ce serait pour Céline Dion, ça là. Non, elle aura du mal. À mon avis, elle pourrait pas le tenir. Donc on va accepter cette paix là.
Encore une fois, on pique des colonies gratuites. Ah, par contre, si, j'aurais bien aimé relier ici. Tuscora, c'est une à combien? À 3. Comme ça, lui, il a son terrain de relier. Moins 1. Donc il faut que j'enlève un truc qui coûte 1. J'ai rien qui coûte 1. Bah, je vais en enlever une qui coûte un peu ailleurs. Érié. Putain, Érié, elle coûtait cher. Et je vais rajouter celle-là. Voilà. Ok, envoyé. Bon, au moins, lui maintenant, il est unifié, c'est déjà ça. Bon, ça, je m'y attendais, je pouvais pas intervenir dessus. Tac, tac. Vous allez me chercher tout de suite la fin des troupes. L'autre flotte de transport est toujours pas arrivée, c'est pour dire à quel point elle part de loin. Militaire, il m'en faut toujours un, morale des armées. Conversion, il m'en faut une nouvelle. Allez à Butua. La science. Faut que je les prenne. Ah, je peux pas, il faut encore attendre un petit peu. Ça me fera une doctrine. Comme ça, ma doctrine que je prends maintenant, c'est les idées maritimes. Là, j'attends de pouvoir prendre le truc. Les sunnites vont pas tarder à péter. Les navires sont partis bosser normalement. Parce que c'est parti, c'est la mission. On renvoie toutes les troupes. Une frégate de disponible ici. On va te trouver un truc, t'inquiète pas. Tu vas aller bosser en baie de Chesapeake. Au niveau des navires, j'en ai encore. J'en ai plus que deux en construction. Brandebourg qui quitte la coalition, c'est déjà une belle victoire ça. Comment ça se fait, j'en ai plus que deux en construction? Je pensais que j'en avais plein encore en construction. La flotte elle est qu'ici, ça me fait 40 transporteurs, c'est pas suffisant. J'en veux encore d'autres. Je peux pas acheter là-haut? Ouais, il faut vraiment que je récupère ces provinces-là parce que ma plus grosse usine c'était ici. Bah du coup, vous allez me les faire là. Encore une fois. Ben voilà, j'ai réussi. J'ai fini mes armées. Les colonies, on en a combien de colonies? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et j'en ai quelques qui sont sur le point de se finir, donc on va faire Tachi. T'es rappelé. Ah, je me suis fait piquer ici, je me suis fait péter à celui-là, dommage. Pars vite là-haut. J'ai pas accès à celui-là. Ah, parce que celle-là, elle est pas à moi, ok. Vous deux, vous partez ici. Ça là non plus, j'ai pas. Ah oui, j'ai pas accès encore. Là, j'ai déjà toutes. Faudrait que je me replace ici. Celle-là. Et Minang. C'est celle-là. Rappelez. Pour ici. Non, je suis déjà dessus. Faut que j'arrête de pas être dans ce que je fais. C'est fait. Ok, mon diplomate. Va devenir copain avec Brandebourg. Je suis sûr que c'est leur rêve de devenir nos copains eux aussi. Ça, on n'a plus besoin de ça. L'Autriche. Bon, par contre, si je vous dis que je m'y attendais pas, ça va être dur de pas me croire. Vous avez fini, vous repartez là. Il y a Brunei qui est en train de se faire assassiner. Mes navires, j'attends toujours ici. J'avais pas envoyé des navires ici? Non. Ou ici? Non plus. Ils en sont où ces 30 navires?
Pareil, tout, bah tu m'étonnes quand ça tombe. Normalement, ça c'est la science qui va révolutionner mon commerce. Comme ça, je vais être tranquille pendant un long moment. Hop là, les navires sont arrivés. Vous me prenez les quelques hommes qui restent ici, ils sont quand même pas mal. Dans les navires, et vous me les envoyez directement ici. Et ensuite, il va falloir qu'on redéplace quelques troupes encore dans les colonies. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh non, rappelez. Casus Belli, nationalisme. Ah, le voilà, l'impérialisme. Ok, on va commencer les guerres qui vont faire chier maintenant. Donc merci de m'avoir suivi. Et on continuera l'aventure demain. Même s'il se passe pas grand-chose en ce moment, mais ça va pas tarder à repéter. Parce qu'à mon avis, l'Autriche, je les sens. Ils étaient pas au point il y a pas longtemps, ils ont que 60 000 hommes, la France en a 90 000, s'ils sont tous là, on est paré. Moi j'en ai 80 000, j'ai une plus grande force de frappe que l'Autriche. Oh, c'est un bug ça à mon avis. Faut qu'on compte sur Naples. Naples et la Scandinavie, ils sont où? Naples, ils ont 32 000. Et la Scandinavie? T'en déconnes, ils sont où? RST, Scandinavie. Ils ont 24 000 hommes, et qu'est-ce qu'ils font? Putain, ils font une guerre, je la connais même pas en plus. Allez, à demain. Ciao, ciao!